What it do, baby? Bienvenue à ce podcast spécial, le podcast le plus important. En fait, je vais vous dire une chose. C'est le truc dans les médias le plus important que j'ai fait jusqu'à maintenant dans ma jeune carrière. Jusqu'à mes 28 ans, c'est le truc dont je suis le plus fier. Une discussion sur le racisme et le sport. Réunir 5 personnes, en fait 6 avec moi qui parlent en même temps, c'était... Et je vais vous dire quelque chose, ok? Je vais être honnête avec vous, là. Sans restriction, je vais être honnête avec vous. Je suis jamais stressé dans la vie. Jamais stressé dans la vie. Faire des shows devant des gens, faire de la télévision, faire ci, faire ça. J'ai une naïveté qui fait en sorte que je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait arriver. Je suis jamais stressé. J'ai mal dormi hier soir parce que je savais que je faisais ce podcast-là. Parce que je voulais tellement bien faire. Je voulais tellement rendre justice au mouvement actuel. Rendre justice à non seulement la famille de George Floyd, mais la famille de... Toutes les gens qui vivent des choses fucked up depuis toujours. Moi, c'est commencé. Vous allez savoir l'histoire sur le podcast. Je l'ai raconté. Je me suis ouvert. Puis je pense que c'est la première fois que je racontais cette histoire-là en plus. Donc, c'est quelque chose que j'ai le goût de vous écouter. Et que si vous cliquez sur le pod, ça veut dire que vous ouvrez votre cœur. Ça veut dire que vous ouvrez vos oreilles. Ça veut dire que vous ouvrez votre esprit. Et que ça, là, c'est la chose, je vous le dis, du plus profond de mon cœur, du plus profond de mes tripes, c'est le truc qui me rend le plus fier. Donc, vous n'avez même pas idée comment je vous remercie d'écouter le pod. On a 5 invités, et je veux juste mentionner, on tourne, il est 9h28 en ce moment. Bruno va monter le podcast cette nuit. Donc, tu sais, quand on parle d'avoir des alliés, là, c'est ça. Donc, sur le podcast, on a comme invité... Patrice Bernier, la légende du soccer, Boko Imama de la Ligue nationale, Fabrice Ville, l'activiste, Benjamin Saint-Just, demi-défensif dans la NCAA, et Bianelle Legros, directrice marketing et développement des affaires chez Fondation Athlète Excellence du Québec. Donc, on a de la grosse pointure, j'arrête de parler, on s'en va au panel racisme et sport. Bon. Pour cette fameuse discussion, j'ai la chance d'avoir 5 invités super importants, chacun dans leur domaine. Puis de ce que j'aime dans l'idée du panel qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le monde vient de sphères différentes, tout le monde a des expériences différentes et on va pouvoir tous partager ensemble. Donc le premier, je vais pas faire une présentation de 800 mots sur le gars, là. Le gars c'est une légende du soccer, le capitaine de la ville de Montréal, till this day, my guy Patrice Bernier en forme. Allô, ça va bien? Bonsoir à tout le monde. Ben non, mais il l'écoute le matin. Ah, c'est vrai. Désolé. Bonjour à tout le monde, c'est un plaisir d'être là puis de pouvoir échanger avec vous. Autre invité, repêché en 2015 par le Lightning de Tampa Bay, il fait maintenant partie de l'organisation des Kings de Los Angeles et classé KR depuis jour 1, un real original, Bokanji Imama. En forme? Hey, hey, salut, en forme. Bon matin tout le monde. Beaucoup a compris. J'ai laissé Patrice aller en premier. De oui. Le prochain, c'est un avocat, c'est un activiste, un entrepreneur et le fondateur de Tous pour 3 points. Tous pour 3 points, je vous dis, allez Google, allez aider. À chaque fois qu'il y avait le match de basket, c'était mon événement préféré de l'année. Puis je sais pas si je te l'ai déjà dit, Fabrice, mais je le crois vraiment beaucoup. Donc, Fabrice Ville, en forme? Yes, merci de m'accueillir, man. Maintenant, lui, il joue pour les Golden Gophers de Minnesota au football division 1 de la NCAA, demi-défensif, un produit québécois qui fait bien aux States, my guy Benjamin Saint-Just. What's up, merci de m'avoir pour le podcast. Et finalement, je garde le meilleur pour la fin parce que j'aime vraiment beaucoup cette femme. Directrice marketing et développement des affaires chez Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. Je pense qu'il donne comme 1,5 million par année. C'est incroyable ce qu'elle réussit à faire avec cette fondation-là. Donc, Bianelle Legros, comment ça va? Ah, ça va super bien et merci de m'avoir invité. Bon, là, on est tous ici pour avoir une discussion, puis quand j'avais fait mon vidéo dimanche, j'avais dit, il faut qu'on fasse notre 1-12e, il faut qu'on ait les conversations qui sont parfois inconfortables, et ce que je me rends compte en parlant à certaines personnes, c'est que les gens veulent
nous écouter et ne savent pas par où passer. Donc, c'est notre chance de dire tout haut ce qu'on a envie de dire. Moi, j'aimerais commencer par le début. Avant de naviguer dans le racisme et le sport, j'aimerais avoir vos réflexions par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Pas juste de ce qui s'est passé avec George Floyd, mais vraiment tout ce qui se passe aujourd'hui. Là, Fabrice, je te laisse aller. Ben, en fait, tu as mentionné George Floyd, puis merci de souligner le fait que qu'est-ce qui se passe présentement il va bien au-delà de la situation de George Floyd. J'aime souvent dire que les personnes racisées particulièrement en ce moment vivent deux crises. T'as la pandémie, t'as le racisme qui prend aucune vacance. Puis là, le racisme, en fait, ça dure pas depuis les tueries de la semaine passée, ça dure depuis des siècles, ça a son historique ancré entre autres dans l'esclavage. Puis des fois, la compréhension que ça se passe aux États-Unis uniquement, mais malheureusement, ça se passe aussi au Québec. Le service de police de Montréal a commandé un rapport indépendant qui a été sorti cet automne, qui parle du fait que les personnes noires, arabes, autochtones sont 4 à 5 fois plus susceptibles d'être interpellées par la police que par les personnes blanches. Il y a des individus comme Bonnie Jean-Pierre, Pierre Coriolan, Alain Magloire, qui ont été tués, en fait Nicholas Gibbs, qui ont été tués aux mains de la police dans les dernières années. Puis pas plus tard que la semaine passée à Toronto, il y a une femme noire et autochtone qui s'appelle Régis Korchinski-Paquet qui a été tuée dans une situation qui semble interpellée aussi, qui est morte dans une situation qui semble encore une fois impliquer la police. Fait que l'enjeu de racisme systémique dans un contexte de pandémie, c'est sûr et certain que c'est un enjeu qui est pas évident pour les personnes racisées. Ça interpelle deux crises, comme je le dis. Donc, l'état d'urgence, là, il y a plusieurs fronts. Patrice, t'es bon. Je vais pas dire t'es vieux, là, mais t'as plus d'expérience dans la vie que moi. Père de famille de deux enfants, c'était quoi ta réaction par rapport à... C'est quoi ta réaction par rapport à tout ce qui se passe, là? Tout ce qui se passe, ça me ramène... C'est plein de scénarios, profilage que j'ai vécu, les moments de jeunesse où ce que tu sais quand t'es un peu plus jeune, quand les choses se produisent, t'es un peu plus against the world, tu dis tout le temps pourquoi tout le monde contre nous, puis ça m'a ramené à moi mon adolescence, puis je pense à certains d'autres, puis comme il l'a mentionné, il y a George Floyd, mais il y en a tellement d'autres, Rodney King, parce que là on est dans l'ère des réseaux sociaux, puis tout ce qui se produit, on peut en avoir une information. C'est sûr, ça roule, puis des fois c'est ça rentre une part, puis ça rentre vite, ça ressort. Mais moi, c'était Rodney King, c'était parce que ça avait été capturé à la télé, filmé par quelqu'un qui l'avait vu. Et là, moi, tout ce moment-là, maintenant, ça m'a juste remonté à ce moment-là et à mon enfance. Tu sais, je me rappelle mon premier film. Je sais pas si vous connaissez ce film-là, c'est Steven Biko. Qui est un activiste en Afrique du Sud. Puis j'ai vu ce film-là quand j'avais 10 ans. Et puis c'est là que j'ai comme... Tu sais, quand t'es jeune, tu perçois pas toujours la couleur, la différence. Tu sais que t'es différent, mais tu joues, puis tu fais des amis. Je pense que tu perçois pas quand t'es jeune, jusqu'à temps que quelque chose arrive, puis te marque, puis tu réalises que pourquoi on traite certaines personnes d'une façon et d'autres, non. Et ce film-là, Steven Biko, quand j'avais 10 ans, tous ces moments-là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça me ramène à ça. Et puis, ça me retouche parce qu'il y a des événements qui sont arrivés aussi à ma petite fille qui était dans un autobus, qui a eu des commentaires envers sa couleur de peau, même si elle est plus basanée parce qu'elle est noire et aussi blanche. Et donc, ça sensibilise. Puis, tu te dis, on fait des progrès, on pense qu'on fait des progrès, mais finalement, ça revient toujours en arrière qu'il y a un profilage, puis que... Il y a un jugement fait par ta couleur de peau dès le départ et non pas le contenu de ta personne. Et tout ça, c'est difficile. Puis tu vois, ben là, avec tous les récits de tout le monde, puis on pense tout le temps que c'est quelque chose de... Alors, ça arrive à un temps tel, mais si on parle à toutes les personnes qui sont ici présentement, à d'autres amis, ils ont tous une histoire. Ils ont tous un moment qui ont dit « ça m'est arrivé ça avec la police ou avec un tel. » Et c'est difficile de dire que on a fait des progrès, oui, mais vraiment, c'est parce que, comme il a dit Fabrice, le COVID, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qui est arrivé, qu'on n'a pas d'informations, on ne sait pas, qu'ils ont un peu pris par surprise, tandis que le racisme, la discrimination, le préjugé, c'est quelque chose qui est contrôlé par nous.
c'est humain. Le vaccin, le remède, c'est nous, c'est l'éducation. C'est de bien en parler pour qu'on comprenne les différences entre des personnes et qu'on puisse juger bon ou mauvais et non pas noir ou blanc. Rappelle-moi l'âge de ta fille parce que je trouve ça aberrant. Ma fille, c'est quand elle commençait l'école, elle prenait l'autobus, donc à sa première année d'école. Wow, c'est... Elle avait à ce moment-là, 6-7 ans. 6-7 ans. Bianel, toi, t'es maman de deux grandes filles, deux athlètes. Est-ce que j'ai la bonne information ou? Kimberly, elle a pas continué après sa graduation de Penn State University, mais Catherine, elle a gradué de l'Université du Connecticut et elle fait maintenant sa maîtrise à l'Université Laval. Bon, ben, toi... Mais oui, elle est encore une athlète. Oui, c'est encore une athlète. Donc, ouais. Plus que moi. Donc, comment t'as réagi par rapport à ça, sachant que tes deux filles ont vécu aux States? Mes deux filles ont des histoires tout à fait différentes aux États-Unis. Kimberly, à Penn State... Ça a été... puis il faut que je revienne aussi puis te dire que mes deux filles voulaient absolument aller dans le circuit de la NCAA pour poursuivre au niveau de leur sport. Donc, Kimberly, au tennis, elle était assez sûre que... Ben déjà, au tennis, ben le fait que tu sois noire, c'est une minorité. Les Noirs sont en minorité au tennis. Alors, elle va dans l'université Penn State où les Noirs sont pas très, très... sont pas très présents non plus, mais elle a pas vécu autant que Catherine, qui était à UConn en athlétisme, des problèmes de racisme. C'est drôle parce que avec tout ce qui est arrivé dernièrement, Catherine nous racontait à son père et moi que elle est arrivée à sa première année à UConn et avec un groupe d'amis, ils ont décidé d'aller dans party où c'était les joueurs de hockey qui faisaient le party. Ils sont arrivés là, quelques membres de l'équipe d'athlétisme avec les joueurs de hockey et la musique s'est arrêtée, tout le monde a arrêté de parler et quelqu'un s'est retourné en disant « Vous n'avez pas d'affaires ici. Wow. » Donc, tous les Noirs qui étaient là sont regardés puis ont quitté la place. Mais Catherine, elle a cette perception que elle a plus cette perception des inégalités que Kimberly pour une raison que j'explique mal. Pourtant, quand nous on allait la visiter, on avait l'impression qu'à UConn il y avait beaucoup plus de minorités que lorsqu'on allait à Penn State. En grande partie, je pense que le fait que les filles aient été étudiées aux États-Unis les a beaucoup aidées à comprendre certaines choses. Puis je m'explique. Au niveau de l'éducation, je trouvais, en restant ici au Québec, il y avait une grande partie de l'histoire des Noirs, de l'histoire qu'on n'apprend pas à l'école ici au Québec. Contrairement, lorsque tu es à l'université aux États-Unis, Catherine, entre autres, me disait, bon, elle a pu prendre des cours de American Studies, des cours de plusieurs cours qui étaient reliés à l'histoire des Noirs aux États-Unis. Je sais que ça n'a pas nécessairement... ça semble pas avoir aidé dans l'ensemble au niveau de la façon que les gens ont de la situation des Noirs aux États-Unis, mais il faut quand même reconnaître qu'aux États-Unis les élèves peuvent apprendre sur l'histoire des Noirs en Amérique, ce qui est pas nécessairement le cas ici au Québec ou au Canada. Je trouve que c'est un point super important qui soulève. Il faut que nous, on puisse connaître notre histoire dès un jeune âge, mais aussi que les autres puissent en connaître sur nous pour que ce soit plus facile, j'haïs ça le mot apprivoiser, mais ça sera plus facile se connaître, ça sera plus facile l'évolution vers plus tard. Moi, ma question, c'est vraiment pour Benji qui est au Minnesota ou qui était au Minnesota quand c'est arrivé. En fait, Benji, je vais te garder pour la fin. Boko, on s'est parlé avant le podcast.
Yeah. Je sais que tu as vécu des choses. Puis, je veux juste mentionner, merci tout le monde d'être ici, hein, parce que j'ai des gens qui se sentaient moins à l'aise de venir sur le podcast. Je sais que c'est pas facile de venir sur le podcast aujourd'hui pour en parler. Donc, merci d'être là. Toi, Boko, c'est quoi ta réaction par rapport à tout ça? Parce que je sais qu'on s'est parlé, je sais pas si c'était pour te rassurer ou quoi que ce soit, mais je suis content d'avoir ta perspective aussi. Là. Ouais, mais tu sais, bien sûr. Bon, tu sais, toi, tu le sais un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé plus tôt dans l'année. Donc, c'est sûr, quand que quand on a su la nouvelle de qu'est-ce qui s'est passé, je dirais, aux États-Unis, tu sais, c'est juste, tu sais, dans le fond, la chaîne, la petite chaîne, je dirais, qui continue. Moi, après mon événement, j'ai pas ressenti qu'il y avait assez de, comment dirais-je, je trouve qu'ils sont allés un petit peu en demi-mesure. Oui, mais parle de ton événement, parce que j'allais en parler plus tard, mais vas-y, on est là. Je sais pas, t'as coupé, c'est quoi que tu dis? Parle-moi de ton événement, on est là, j'allais en parler un petit peu plus tard, mais allons-y, c'est quand même quelque chose de dingue qui est arrivé, là, fait qu'allons-y. Bon, ben c'est ça, donc c'était lors d'une game d'hockey, puis on jouait contre le club d'école des Oilers d'Edmonton, puis tu sais, c'était un gros match. Il y avait beaucoup d'animosité, comme on dit. Et puis, donc c'est ça, j'étais en confrontation avec un autre joueur un petit peu tout au long du match. Puis à un certain moment, durant la partie, ben tu vois, c'est là qu'il il m'a lancé un commentaire, il m'a lancé des propos racistes. Est-ce que j'ai pris ça personnel? Sur le moment, non. Aujourd'hui, encore une fois, je pense pas que je le prends personnel, mais c'est comme je dis au gars, moi, c'était juste décevant que ça arrive, surtout lors d'une partie. Et puis, toi, si je peux un petit peu revenir sur qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, c'est juste de voir la chaîne continuer. Puis, en plus, c'est un plus gros stade, là, parce que moi, après le match, j'ai quand même eu la chance de rentrer à la maison. J'étais encore en vie, j'ai quand même eu la chance de parler au téléphone avec ma mère. On dit que il y a d'autres personnes, il y a d'autres cas qui sont encore plus graves, puis ils n'ont même pas cette chance-là. Donc, c'est sûr que pour moi, c'était plus, comment je dirais, c'est en fait, c'est dur un petit peu à expliquer en mots, parce que, tu sais, je peux même pas m'imaginer être, admettons, dans une situation où ce que, tu vois, tu te dis, c'est à quel point que, faut que là, je cherche mes mots un petit peu, là, parce que je veux pas... Je pense que ce non, que tu veux dire, c'est à quel point t'es impuissant par rapport à quelque chose que tu contrôles même pas. Exact, à quelque chose que tu contrôles même pas. Donc, tu vois, c'était plus un choc émotionnel que je te dirais, en plus que ça s'est passé aussi avec moi récemment, donc... Mes mots sont même pas encore tous ensemble pour te parler de la situation au complet. Ben, tu vois, ce que je trouve mature de ce que t'as fait quand c'est arrivé, puis Benji, je m'en viens vers toi bientôt. Ce que je trouve mature, c'est qu'on a un groupe, j'en parle souvent sur le podcast, dans notre groupe, il y a Doug, Duclair, les frères Walcott, Andy-Marie Pressoir, tu sais, plein de personnes noires, là, et c'est notre première discussion intelligente qu'on a eue en 2 ans. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à la situation? Et j'ai vraiment aimé ton approche. Benji, toi, t'étais à Minnesota quand c'est arrivé. Parle-moi, man. T'étais là. T'as vécu les riots, t'as vécu les revendications, t'as vécu toute seule. Ouais, c'est arrivé. Je suis retourné à mon appartement la semaine passée pour prendre des trucs, tout ça. Puis, comme je te dis, j'étais déjà assez bouleversé puisqu'il y avait eu. Ahmad a été tué en Géorgie quelques jours avant. Puis j'avais vu ça, puis j'ai dit c'est impossible qu'on tue quelqu'un dans la rue comme ça, le gars il est en train de jogger, puis c'est rendu flagrant. J'ai dit c'est impossible, on doit faire quelque chose. Fait que j'ai commencé à faire de la recherche, donner de l'argent à des causes, signer des pétitions, appeler l'État pour parler, justement pour être sûr que tous ces gens-là qui ont été impliqués dans cette situation-là se fassent arrêter. Puis là, après, c'est arrivé là, juste à 5 minutes, 10 minutes de marche de mon campus où j'habite. Puis c'est fou. Puis c'est ça que je disais dans plusieurs entrevues, c'est que c'est des choses qui arrivent à chaque semaine, à chaque jour. Mais quand ça arrive juste à côté de chez toi, c'est là tu prends ça beaucoup plus personnel. Parce que ça aurait pu être toi, ça aurait pu être
beaucoup. Ça aurait pu être n'importe qui dans ce podcast-là en ce moment. Quand ça arrive juste à côté de chez toi, ça aurait pu être tu marches puis tu te fais tuer. Fait que c'est là que tu dois prendre beaucoup plus d'action. Puis, je pense qu'on voit les résultats de qu'est-ce qui arrive en ce moment. C'est pas quelque chose qui est nouveau, mais quand ça sort sur les réseaux sociaux, à un moment donné, tu peux plus le cacher. Comment les Golden Gophers ont réagi? Ça, c'est ton équipe de football, là. C'est comme c'est l'équipe sportive à Miami. Puis je vais essayer de ramener le filon sportif. Comment ils ont réagi, eux, par rapport à ça? Pour vrai, je suis vraiment satisfait. Puis je suis vraiment content de la manière qu'ils ont réagi. T'aurais pensé que, disons, parce que le sport aux États-Unis, c'est une plateforme qui est immense, qui fait super beaucoup d'argent, puis que les ficelles sont tirées par justement les mêmes personnes qui ont le pouvoir dans les institutions. Donc, t'aurais pensé qu'un entraîneur-chef qui est blanc, qui comprend peut-être pas toutes ces discriminations-là qu'ils n'ont pas expérimentées, mais au moins, j'ai vu la transition qu'il a fait, puis le fait qu'il a dénoncé tout ça, puis qu'il nous a donné une voix, qu'il nous a donné une plateforme, qu'il nous a dit « Vous pouvez aller protester, vous pouvez aller dire, vous pouvez aller... » Il aurait pu dire « Dites pas rien, ça va détruire votre réputation pour la NFL l'année prochaine, n'importe quoi. » Non, il a dit « Dites votre voix. Qu'est-ce qui arrive en ce moment? On doit en parler, sinon ça va continuer tout le temps, puis il faut du changement. » Puis l'université, en même temps, notre président, qui a toujours été impliqué dans toutes nos pratiques durant toute la saison, a pris notre côté, a mis nos valeurs en priorité, puis a coupé tous les contrats avec le Minneapolis PD. Donc, il n'y aura plus jamais de police du Minneapolis PD à nos games ou aucun événement qui est avec l'Université du Minnesota. Donc, quand tu vois des choses comme ça, des gens qui ont du pouvoir comme ça, ben ça te donne d'espoir qu'on peut les utiliser pour essayer de changer les choses. Je vous expliquais à la maison comment ça fonctionne parce qu'on est 6, là, puis soyez indulgents avec nous. Donc, on a un chat. Donc, quand quelqu'un parle, quelqu'un peut faire un commentaire là-dessus. J'avais gardé la NFL pour plus tard, Fabrice, parce que je pense que la NFL a été too face là-dessus, mais je vais te laisser aller avec ton intervention, puis après, je vais parler ma parole. Je te laisse aller, Fabrice. Too face, tu dis, Kev? Parce que j'entends le commentaire, puis moi, je pense que l'Université du Minnesota a intervenu d'une manière... robuste. C'est ça que ça prend pour faire en sorte que il y a du changement. Donc, de refuser que les services policiers interagissent avec l'université, c'est le genre d'intervention choc qui font ça qu'il y a du changement. Mais quand je pense au football, c'est sûr que pour moi, ça m'est venu la question de la NFL. Kev, la NFL, là, le traitement qu'ils ont réservé à Colin Kaepernick, qui s'agenouillait pacifiquement pour lutter contre la brutalité policière et le racisme systémique. Et là, de nous dire qu'ils sortent un statement comme quoi tout est cool, comme quoi ils supportent le racisme. Le mot two-face, tu l'as dit, Kev, puis je me dis, my God. En fait, je suis sans mots par rapport à, je suis désolé, mais l'hypocrisie d'une organisation. Et ça, il faut le nommer parce que le racisme, là, souvent, c'est pas uniquement les affaires visibles qu'on voit sur vidéo ben, par rapport aux trucs choquants puis les morts. C'est des organisations qui ont du pouvoir, qui roulent sur des millions et même des milliards de dollars, qui prennent des positions qui n'ont pas d'allure. Et pour contrer le racisme, il faut que les gens, des fois, aient du courage de reconnaître qu'ils ont commis leur tort. Et la NFL a totalement échoué là-dessus. Je suis curieux de t'entendre sur cette question-là. Ben, regarde, puis je vais t'envoyer la parole bientôt, beaucoup. Moi, je vais vous dire une affaire, là. Quand la NFL a sorti son statement, j'avais envie de vomir. J'avais envie d'arrêter d'écouter la NFL. Par contre, quand t'es fan de quelque chose, comme je suis fan de football, c'est difficile de faire ça. Donc, tu fais la part des choses. Colin Kaepernick a fait un peaceful protest. Il y a 3 quarterbacks par équipe. T'sais, pour ceux qui connaissent moins le football, il y a 3 quarterbacks par équipe. Il y a 32 équipes. Ça veut dire qu'il y a 96 quarterbacks qui sont meilleurs que Colin Kaepernick. Quand Colin Kaepernick a dit, moi, je suis prêt à être backup quarterback, là. Je veux juste être là. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir kneel. Puis après ça, ils ont sorti, puis beaucoup, je te laisse aller, mais là, Fabrice, c'est ma partie. NFL ont sorti des choses pour dire, Kaepernick ne veut pas vraiment signer, on lui a donné une opportunité à gauche, on lui a donné une opportunité à droite. C'est pas une opportunité de dire, si tu viens dans mon équipe, on veut pas que tu kneel. C'est pas une opportunité de dire que les propriétaires qui sont les 32 blancs, que chacun des propriétaires disent « Ouais, mais nous, on n'acceptera pas aucune démonstration par rapport à ce que Kaepernick a fait. » Tu sais, c'est eux qu'on a besoin d'entendre. C'est ces gens...
je suis content qu'on soit là pour parler. Mais j'ai besoin d'entendre Jerry Jones dire « Black Lives Matter ». J'ai besoin d'entendre ces voix blanches, tout puissantes, au moins accepter, puis dire « Yo, comme c'est fucked up, c'est assez, puis c'est plus une question d'argent, puis je t'envoie la balle bientôt beaucoup. » Mais Steven Jackson a dit « Enlevez vos jeunes des gros collèges américains, puis envoyez dans les HBCU, dans les collèges de Black, là, de l'histoire Black. Envoyez là-bas pendant 2-3 ans, voir comment la NCAA puis comment la NFL vont réagir. » Quand ça touche à leur argent, là, ils commencent à paniquer. Beaucoup, je te laisse aller. Ben, tu vois, dans le fond, comme ben, Kevin, t'as bien suivi là-dessus, là, mais comme Benjamin a dit, puis Fabrice, je veux juste retourner sur, tu sais, quand il parle, admettons, de l'hypocrisie dans certaines organisations qui font des statements et puis qui semblent supporter la cause. Ben, pour revenir à mon événement, moi, c'est un petit peu... Moi, c'est un petit peu la même chose. Tu sais, mon intercation avec le joueur en question, j'ai pas besoin de nommer son nom, là, mais... Moi, je vais le nommer parce que c'est un piece of shit, là. Brendan Manning, moi, je vais le nommer. Donc, mon intercation avec lui. Donc, qu'est-ce que la Ligue américaine en fait à la suite des choses? Ils l'ont suspendu 5 matchs. Tu suspends le gars 5 matchs, à l'aréna, là, quand on joue des games, c'est rempli de toutes sortes de personnes, de toutes sortes de fans. Y a des petits gars d'hockey mineurs qui aimeraient ça être contre nous. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Ça bloque partout sur Twitter. Ça fait les réseaux sociaux en même temps. Puis la Ligue décide de le suspendre 5 games. Fait que là, le petit jeune là, qui joue Pee-wee, là, lui, c'est quoi qu'il se dit? OK, tu peux traiter un blague d'un nom, puis à la fin de la journée, je vais juste être suspendu 5 games. Puis je reviens au jeu. Tu sais, mais si tu le bannis, admettons, de la ligue, ou tu prends une mesure comme ça, là, les petits gars là, qui jouent dans le hockey mineur, eux, ils se disent, OK, wow, OK, si je franchis cette ligne-là, ben, tu sais, là, je suis fini. Tu sais, là, ma carrière est en jeu. Tu sais, je pense que c'est comme ça que, admettons, parce que là, je parle un petit peu plus pour les joueurs d'hockey, les gars qui sont plus dans mon industry, mais c'est comme ça que nous aussi, on va être capable d'évoluer. Si dans la game, on le sait que c'est juste, tu sais, c'est comme si le monde, ils savent que tu peux pas franchir cette ligne-là, mais ils ont quand même pas peur de le faire parce que ça continue quand même encore à se passer. Patrice, je m'en viens pour le soccer bientôt. Je m'en viens pour le soccer. Donc, je sais que tu es là, Patrice. Je m'en viens pour le soccer. Benji, tu avais quelque chose à dire? Vas-y. Ah oui, je fais ça vite, juste pour conclure ce petit segment-là. Si tu regardes il y a quelques années, je pense 2015-2016, quand Carlin a commencé à faire pacifiquement son genou durant l'hymne national. Regarde la manière comment les gens ont voulu éviter le problème. Tellement que le problème a été exposé, ils ont voulu l'éviter. Ils ont dit que c'était un manque de respect à l'hymne national, puis c'était contre l'armée militaire. Mm-hmm. Fast forward, cinq ans plus tard, en ce moment, en 2020, quelqu'un qui se fait tuer avec un genou par terre pendant 10 minutes, les gens, qu'est-ce qu'ils parlent? Qu'est-ce que vous faites à faire des rébellions? Qu'est-ce que vous faites à briser des magasins? C'est toujours transféré pour oublier pourquoi on fait ça. C'est un résultat naturel d'une communauté qui n'a jamais été entendue, mais vous êtes toujours en train de transférer le problème à quelque chose d'autre, que ce soit des rébellions, que ce soit quand c'est quoi le problème? Justement, il faut que tu regardes pourquoi ça s'est arrivé, puis les gens n'ont pas envie de regarder ça. Fait que c'est juste ça que j'avais à dire, c'est les deux qui étaient reliés ensemble avec les deux événements. Bianel? Oui. Je te laisse aller parce que t'as mis quelque chose dans le groupe, dans le chat. J'ai besoin que tu le dises à voix haute parce que c'est real. Non, mais c'est parce que je vous entends. Puis, je suis une fan finie aussi de la NFL. Et puis, j'entends aussi les propriétaires blancs. Mais dans le fond, là, revenons à la base, les joueurs. Les coéquipiers là, de Colin, là, de toutes ces équipes-là, combien parmi ceux-là ont supporté Colin? T'sais, supposons, je me disais toujours que supposons il y avait une majorité de joueurs qui avaient pris le côté ou avaient supporté Colin dans son initiative, ben je pense qu'il y aurait eu des changements. Parce que justement, les propriétaires, tu sais, ça aurait poussé les propriétaires et peut-être la NFL avant aujourd'hui, avec leur statement qui n'avait pas d'allure, à prendre peut-être des actions. Mais c'est pas ça qui est arrivé.
J'ai pas senti, oui, il y a eu des joueurs qui ont supporté Colin, mais j'ai pas senti qu'il y avait une majorité de joueurs qui le supportaient. Let's go, Patrice, let's go. C'est ton tour, Patrice, let's go. Ouais, parce que, tu sais, là-dessus, j'ai vécu, j'ai joué au hockey, donc, tu sais, j'ai vécu aussi des moments où ces moments difficiles de propos racistes ou toutes sortes de formes de propos pour te déstabiliser, mais qui ont rapport avec ta couleur de peau. Je reviens à Bianney aussi, c'est, il y a les coéquipiers, mais aussi, je crois que c'est le leadership. Parce que moi, je vais revenir à une partie de quand j'étais plus jeune, c'est que moi, peut-être aussi parce que mon coach était moitié noir, moitié blanc, donc avait vécu déjà là du racisme à travers le hockey, même s'il n'avait pas été la Ligue nationale, mais dans les rangs semi-professionnels et compagnie. Lui, il avait un peu donné pouvoir à mes autres coéquipiers que si un événement de même se produisait, qu'il pouvait me défendre, que c'était pas à moi à me défendre. Et là, je veux dire, bon, dans l'hockey, on sait bien que, bon, il y a la bagarre, t'as un bâton, t'as le doigt. Mais c'était pour dire que ce n'était pas acceptable. Et je pense que ça vient aussi que, oui, il y a les coéquipiers, parce que des fois, je le sais, il y a des coéquipiers, ils veulent faire, mais tu sais, tu prends 2 minutes, 4 minutes, puis tu dis au coach, c'est pour ça, le coach comprend pas. Mais si t'as le backing, comme on dit, de l'entraîneur ou de l'organisation qui dit ce n'est pas acceptable, et si ce genre de comportement se produit ou fait ça, ben on va l'accepter parce que nous, on veut pas ça dans notre jeu, on veut pas ça dans notre culture et on veut l'éradiquer. Donc, ça donne le pouvoir, empowerment aux joueurs. Et oui, je suis d'accord avec Bianel, il faut que des joueurs le fassent parce qu'on sait bien, il y en a qui ont un peu plus de volonté de dire « Hey, tu parles pas à mon coéquipier de même, c'est mon coéquipier, c'est un gars qui porte l'uniforme, c'est pas la couleur de sa peau qui est présume. » Mais là-dedans aussi, je sens qu'il y a beaucoup de leadership puis qui doit venir de pouvoir pas empower, je sais pas si c'est ça le mot, mais de permettre de voir l'éradiquer, de dire aux autres c'est acceptable si tu fais tu prends position envers ton coéquipier, parce que je sais, j'ai joué dans le monde du sport, des fois il y en a qui sont hésitants, ils ont besoin de leur donner cette permission. Il y en a qui l'ont naturellement, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc je crois aussi que ça en vient à, comme Benjamin l'a dit, l'organisation de son campus a dit, ben voilà, on n'aura plus de... Ils ont fait un geste, c'est le leadership qui a décidé, ça va être comme ça. C'est pas le joueur qui a dû dire, moi, je ne jouerai pas si la police est ici. C'est là maintenant l'institution qui a décidé de prendre une position qui a un message plus fort que le joueur. Comme Colin Kaepernick, si la NFL l'avait supporté, ça aurait été beaucoup plus fort que juste Colin Kaepernick. Puis maintenant, ben oui, on répercute, on est 5 ans plus tard, mais je sens aussi que ça vient de le leadership qui a une empreinte sur la culture qui a imprégné, puis pour la faire changer. Fabrice, je t'envoie la rondelle dans quelques secondes. Je veux juste parler par rapport au hockey. La première fois que je me suis fait traiter de nègre, match numéro 3 de ma carrière de hockey, je suis Pee-wee B, Express de Laval, Arena Chemédé, c'est 3e période. Je suis à la ligne bleue, je sais zéro patiner, ok? Comme, j'ai marqué un seul but cette année-là, c'est parce que la rondelle a touché mon bâton et est rentrée. J'ai aucun skills pour patiner. Donc, je suis à la ligne bleue et il y a un parent qui dit à son fils, check le neck, check le neck, check le neck. Sur le coup, j'ai fait, c'est un mot que je connais et c'est un mot qui est fucked up, je pense. Et par là-dessus, je retourne au banc et prochaine présence sur la patinoire, je vous rappelle, je ne sais pas patiner. Donc, je peux pas aller aider mon équipe en défensive. Donc, je suis au milieu de la patinoire puis c'est comme si j'attends la rondelle. Et le même parent crie, check le singe, check le singe. Je pense que, puis c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de choses, tu sais, deux fois la police est venue à mes matchs de hockey parce que je me suis fait battre deux fois sur la patinoire, une fois à Saint-François. Je pense que c'est les deux fois étaient à Saint-François, excuse-moi. Il y a eu une bagarre dans les estrades parce que les parents m'ont défendu et c'est après la dernière bagarre que j'ai dit, je vais me concentrer à jouer au foot à la place. Donc ça, c'est pas aux États-Unis. Ça, c'est ici. C'est Saint-François et puis l'Arena Chemédé de Laval. Et c'est pour ça que les gens qui sont dans les estrades aussi, parce qu'on a parlé des propriétaires, on a parlé des joueurs, on a parlé du coach, du leadership, t'es dans les estrades, t'entends ça, do something. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Parce que j'avais 13 ans et je me rappelle, je te dis, je t'en parle, j'ai des frissons. Je pense que c'est la première fois que je le dis. Parce que ça m'a traumatisé. J'ai fait, ouais, what? Je suis supposé avoir du plaisir en ce moment. Fabrice, je te laisse aller. Ben, t'as tout à fait raison. C'est un enjeu majeur, le racisme dans le hockey.
On a entendu des histoires. L'année dernière, on a eu l'histoire de Jonathan Diaby, un homme noir qui jouait au hockey de mémoire dans la LHGMQ, qui était victime de commentaires. Ligue nord-américaine. Ligue nord-américaine. Ligue nord-américaine, merci de la précision. Puis des histoires comme ça, on en entend régulièrement dans des commentaires, dans les estrades. Moi, je suis un des instigateurs de documentaires qui s'appelle Briser le code. Dans Briser le code, il y a un des personnages qui s'appelle Pierre-Alexandre Volant, c'est un autochtone. Et lui, c'est assez terrible. C'est un autochtone qui vient de Pessamite, qui il a déménagé en fait à Forestville dans une population blanche, puis il jouait pour l'équipe de Forestville. Puis quand il jouait contre ses amis autochtones de Pessamite, il entendait ses coéquipiers, puis les gens dans les estrades insulter les gens qui c'est de sa propre communauté. Lui, il avait la pression parce qu'il compétitionnait comme sa propre communauté. C'est terrible. Donc, ces commentaires-là, la violence dans le hockey, elle existe par le racisme. Puis, je pense que moi, je suis enthousiaste parce que, d'une chose, je pense que dans les médias, quand on en parle, les gens, ils sont très directs, ils sont très clairs sur le fait que ça n'a pas sa place. Et c'est vrai quand tu dis, Kev, que quand ça arrive dans les estrades, il faut qu'on arrête, il faut que les gens ils parlent, c'est important. Mais des fois, le racisme aussi, c'est une question plus insidieuse, qui est plus subtile, et ça s'inscrit dans les rapports de pouvoir. Pour revenir à la question de la NFL et la question de Colin Kaepernick, ça a fait une grogne, puis je pense que je suis d'accord avec Patrice sur la question des rapports de pouvoir, mais il ne faut pas oublier le pouvoir pour les personnes blanches de parler de racisme, des fois, en soutien aux communautés racisées, comme par exemple de parler de sexisme quand on est un homme, des fois ça a un poids. Puis à l'époque de Kaepernick, quand il s'agenouillait, des joueurs de plusieurs sports ont parlé. Stephen Curry est sorti, LeBron James est sorti. Et puis là, ça avait augmenté, ça a escaladé parce que Donald Trump avait traité les puis en français, la traduction, c'est littéralement, il avait traité tous les footballeurs protestateurs de fils de pute, de dégénérés anti-américains. Ça c'est assez grave là. En fait, excusez-moi. Le site Breitbart, qui est en soutien à Donald Trump, avait fait ça. Et quand est venu le temps de questionner Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh sur la présence de Penguins à la à la Maison-Blanche, parce qu'il faut savoir que quand les gagnants d'un match, les gagnants d'une ligue, l'année suivante, ils sont invités à la Maison-Blanche, Crosby avait l'opportunité d'être un allié à ce moment-là. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit que ça aurait été un honneur d'aller à la Maison-Blanche. Et il a mentionné que ça n'a même pas fait l'objet de discussion au sein de la Chambre des joueurs. Ça, c'est le genre de comportement qui fait en sorte que c'est pas une insulte dans les estrades. Sauf que c'est subtil comme comportement, mais ça a des conséquences graves parce que ça manque de soutien aux communautés qui sont victimes de racisme. Damn! Catch content! Yo, Fabrice, tu viens de dire un verse que... Beaucoup peut pas dire que moi, je peux dire sur... Mais c'est ça le podcast. Comme, t'as parlé pour tout le monde et je respecte ça. Comment on aborde la notion de racisme avec un coéquipier? Comment on aborde cette notion qui semble mettre beaucoup de gens inconfortables? Et quand je dis coéquipier, je le mets dans le sport. Parce qu'on est un podcast sportif, mais ça peut être aussi dans la vie. Comment on aborde ça? Écoute, je te laisse aller, Benji. Ça fait longtemps que je t'ai pas entendu. Let's go, Benji. Je te dirais, ça commence par les gens qui ont du pouvoir dans ton organisation, que ce soit un coach, que ce soit un président, manager, n'importe qui. En tant qu'individu, je pense que les gens qui sont ignorants, qui ont grandi, qui ont été éduqués par leurs parents à être racistes, vont plus écouter quelqu'un qui a du pouvoir, qui est obligé d'écouter comme un entraîneur-chef qu'un individu. Oh. Tu peux le faire comme individu, tu peux aider, mais ça se peut qu'il t'écoute pas. Mais si t'as un coach qui set up des meetings à chaque semaine ou qui parle ou qui te met dans ta face à chaque fois les événements qui arrivent, comme notre entraîneur-chef qui fait à l'Université du Minnesota, n'importe quelle couleur que t'es, à chaque semaine, on a un meeting pour parler des injustices ou n'importe quoi qui arrive dans la société, puis de comment on peut faire pour faire des travaux communautaires ou aller aider les communautés avec moins de ressources à Minneapolis. Ça, c'est des choses que... Le plus que tu le fais à répétition, en un moment donné, tu vas voir les injustices puis tu vas devoir te sensibiliser à qu'est-ce qui se passe. Donc moi, je pense que ça part en haut puis de la hiérarchie où il y a plus de pouvoir. Puis là, les gens, les individus qui sont un peu plus ignorants sur ça, ils vont commencer à écouter ces gens-là en premier. Puis après, tu vas pouvoir les sensibiliser en tant qu'individu à dire, hey, moi, je vis des affaires que tu vis pas. Puis il faut que tu changes parce que sinon, on pourra pas progresser ensemble.
J'aimerais tellement que les gens voient notre chat. C'est merveilleux. Patrice, tu as mis un point que je trouve vraiment important et j'aimerais que tu élabores là-dessus. Bien, tu sais, il a bien mentionné, c'est que là, l'entraîneur fait des petits cours, des petites classes d'éducation. À la fin, comme il a dit, il y a certains, les joueurs viennent un peu partout, les personnes viennent un peu partout. On n'a pas tous la même, mais il a pris le temps de faire des petits meetings qui apportent une ouverture. Moi, j'ai un film, peut-être que vous l'avez vu, peut-être que pas tout le monde l'a vu, Remember the Titans. Eh oui. Oh. Mais ce film-là, il rapporte tout ce qu'on vit là, tout ce qui a toujours été vécu. Mais vraiment, tu le sens dans ce film-là, parce que c'est un clash. C'est des blancs d'un bord, les noirs d'un autre. Et là, tout d'un coup, ils sont mis ensemble pour former une équipe. Et l'entraîneur est noir. L'entraîneur de l'assistant était lui l'entraîneur-chef avant, mais on a décidé de faire une collision des deux équipes. Et on a vu le clash des cultures, mais tranquillement, à travers la communication. Puis bon, c'est un film, mais le film a beaucoup de puissance parce qu'il explique que l'éducation, la communication, parler de l'histoire et de montrer aux joueurs tranquillement, bien, vous allez travailler ensemble, ça va être comme ça, et tu apprends à connaître ton coéquipier, tu apprends à connaître ton voisin, tu apprends à connaître quelqu'un que tu regardes, puis tu es peut-être méfiant, mais tu dis, mais là, avec la communication, la conversation, tu apprends à plusieurs choses. Moi, j'en ai vécu des choses en tant que joueur où ce que j'avais un coéquipier serbe-allemand, puis il faisait des commentaires, ça c'est quand j'étais en Europe, on faisait des choses, puis il disait tout le temps, « Ah, vous les Noirs, vous êtes comme ça. » Puis je lui disais, « Mais qu'est-ce qui te dit que tous les Noirs font ça? » Ouais, mais parce que lui, le visuel, l'information qu'il avait, quand il a grandi, tout ce qu'on lui montrait, c'était, « Les Noirs, c'est des puissants, on est bruyants, on est loud, on crie, et... » dès qu'on rouspète, puis c'est ce qu'il connaissait. Et donc, quand on a commencé à avoir des conversations avec lui, il dit, ben, attends, si tu veux, tu me dis ce que quand tu me regardes, c'est ce que tu me catégorises. C'est que dès que je dis quelque chose un peu plus élevé, c'est parce que je suis noir. C'est pas à cause que je défends mon point ou que simplement j'ai une conviction sur quelque chose que moi, je suis pas en accord. Ou que c'est là que j'ai compris. Mais plus qu'on a eu une conversation avec, on a échangé, puis on est des bons amis là maintenant. Mais j'ai compris... Lui, culturellement, dans son éducation, était autre chose, mais tranquillement, en communiquant avec lui, en devenant ami, lui a appris un peu plus sur nous. Moi, j'apprends plus sur lui, d'où ce qu'il vient, et de changer ces barrières-là. Et ça prend du temps, mais moi, je suis convaincu que c'est l'éducation, c'est parler. Quand j'en ai reparlé, mon enfant, ma fille, qui était en autobus, si l'autre enfant lui avait dit quelque chose, ça ne vient pas de nulle part. Cet enfant-là n'a pas juste réveillé un matin et dit, hey, je vais dire quelque chose sur sa couleur de peau. C'est qu'il l'a entendu. Où il a compris que c'était accepté qu'il puisse dire des choses de même. Et ça vient de communiquer, d'éduquer nos jeunes, mais aussi tout le monde alentour de nous. Et ça prend du temps, mais je suis convaincu que c'est l'éducation et oui, la communication et l'expérience de partager avec d'autres pour démontrer qu'on est plus que juste ce que tu vois visuellement. Il y a du contenu derrière tout ça. Bianel, on connaît tous une personne dans notre entourage ou dans notre dans notre corps de travail, là, dans nos coéquipiers, on connaît tous cette personne qui va faire cette blague sur les Noirs, qui va te demander, je peux-tu te conter une joke de blague, sachant très bien que ça crée un malaise. Toi, qu'est-ce que tu voudrais dire à ces gens-là? Et comment, toi, tu deals avec ça? Parce que je te mentirais pas, moi, c'est quelque chose que... Je sais pas si c'est parce que je suis encore naïf ou que je suis gentil, mais c'est encore quelque chose que je struggle beaucoup. J'ai pas beaucoup de... Je suis assez direct hein, comme personne, alors... Ouais. tu me connais un peu. Ouais. Mais bref, j'ai pas beaucoup de... Comment je pourrais dire de façon... Je prends pas des... Je suis capable facilement et j'ai pas peur de dire lorsque la blague, je la trouve pas drôle. Et je vais prendre le temps d'expliquer pourquoi je la trouve pas drôle. Mm-hmm. Je suis pas une personne qui va balayer sur le tapis si c'est pas...
si c'est pas si c'est pas acceptable comme blague, parce que justement nous comme noirs, il y a certaines blagues qu'on fera pas à un blanc pour x y raison. Tu sais, il y a beaucoup de personnes blanches autour de moi qui vont me dire qui vont me dire pourquoi vous entre les noirs vous pouvez vous appeler nègre puis nous on n'a pas le droit. Ben tu sais quoi, comme dit Patrice, ça fait partie de l'éducation. Fait que là, je fais leur petite éducation, cours 101 sur le racisme. Puis je leur explique d'où ça vient et pourquoi. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, comme Patrice a dit, c'est, il faut en parler. Puis une chose que j'aimerais souligner, c'est que, je sais pas si pour vous c'est la même chose, mais moi, souvent, j'ai eu l'impression, le racisme est un sujet qui dérange et que souvent les gens, même lorsqu'on veut en parler, ils sont mal à l'aise d'en parler. Mm-hmm. C'est comme, tu sais, c'est comme un sujet qui est tabou. Là, maintenant, on en parle avec tout ce qui est arrivé. Tu sais, ce qui est arrivé, parce qu'on n'en a pas discuté du tout, mais ce qui est arrivé à Central Park, où une dame, dont on a demandé de mettre une laisse à son chien, tu sais, a appelé la police pour dire qu'elle a été menacée par un noir. Ben ça m'a interpellée, parce que ça, c'est pas, c'est, si tu prends ce qui est arrivé à Central Park, puis tu leur, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours, en entreprise, où il arrive quelque chose avec une personne blanche, et tu vas voir ton patron, puis il te croit pas. Je sais pas, mais tu sais, moi, je l'ai pris, puis je me suis dit, my God, c'est des choses qui peuvent arriver régulièrement dans la vie de tous les jours. Donc, excuse-moi. Non, c'est... Donc, moi, je pense que c'est ça passe encore par l'éducation, puis il faut en parler. Maintenant, ben, la boîte est ouverte, là. Maintenant, on devrait continuer à en parler, justement, si on veut qu'éventuellement les choses changent. Donc, on a... le décès de Floyd a malheureusement créé cette opportunité de discussion. Et je ne sais pas si « opportunité » est le bon mot, mais il a ouvert cette valve de discussion et c'est... J'ai jamais eu autant de discussions sur le racisme de toute ma vie, là. Et je dis tout le temps, moi, je me réfère à Fabriceville. Moi, je me réfère à Will Prosper. Moi, je me réfère à Webster. Je me réfère à Mariem. Je me réfère à Dorothée Rowe. Je me réfère à ces gens-là parce que je ne sentais pas que j'étais équipé à discuter. Quand notre histoire et notre vécu est tout ce qu'on a besoin pour en parler, ou est le début de ce qu'on a besoin pour en parler, parce que naturellement, il faut s'informer. Fabrice, vas-y. Je pense que tu marques un point important par rapport au fait que le racisme, c'est un phénomène humain. Donc, n'importe quelle personne, peu importe ses origines, devrait pouvoir en parler. Puis, je pense que là, on a une occasion de se rendre compte de ça maintenant. Et en fait, une manière d'en parler, moi, je réfléchis beaucoup aux enjeux de racisme, puis une des choses qui m'est venue à l'idée, c'est une des choses qui font en sorte que le racisme, c'est un tabou, c'est qu'on a l'image que c'est un péché capital, on a l'image que le racisme, c'est une identité. Souvent, on dit « Hey, t'es raciste ou t'es pas raciste », on catégorise les gens de cette manière-là, mais le racisme, c'est pas une identité, le racisme, c'est un... C'est vraiment une question de... ça, c'est important, c'est fondamental, parce que tout le monde fait cette erreur-là, peu importe à travers le monde. Selon moi, je suis convaincu que si on arrive à reconnaître que le racisme, c'est une attitude qu'on a par moment, dont on est responsable, un geste, un comportement, un phénomène dans une organisation, et qu'on en parle comme ça, on est capable de se voir puis de dire, hey, ouais, ce que j'ai fait là, ça... Parce que en bout de ligne, ce qui compte, le bottom line, c'est quoi l'impact que ça a eu sur une communauté ou une personne? Puis de dire, bon, mais hey, j'ai fait un commentaire raciste, je suis capable de dire que j'ai fait ça sans dire que je suis une moins bonne personne. Fait que d'avoir une conversation là-dessus, moi, je pense que c'est un bon point de départ de mieux comprendre c'est quoi le racisme. Puis je terminerai juste en disant, parce que je pense que c'est important ce que Bianel apporte. Les personnes, si vous n'avez pas vu la vidéo de Amy Cooper, la madame, Amy Cooper, là, c'est la femme qui était à Central Park, justement. Le monsieur qui regardait les oiseaux lui demande juste de tenir son chien en laisse. Puis quand elle s'approche du gars, puis elle dit « Je vais appeler la police pour dire à la police que t'es en train de m'attaquer. » C'est fou parce que en regardant ça, là, on se rend compte des fois, là, des fois on pense qu'on est fou quand on parle de racisme.
on a sur vidéo une situation où on voit une femme blanche qui utilise le mécanisme du racisme en disant « Je suis consciente que si j'appelle la police et que je prétends que je suis attaquée, la police va me croire et va peut-être mettre va peut-être pénaliser cet homme-là, même au risque de sa vie. » De voir ça en vidéo, là, avant l'événement de Floyd, ça a mis les gens aux États-Unis, là, en feu. Donc, ça, c'est quelque chose que je voudrais souligner parce que souvent, on dit, ah, les gens sont pas conscients des enjeux liés au racisme. Et je conclurai par rapport à ça. Je sais que je prends beaucoup d'espace, mais c'est important, je pense. Non, parle. Faut pas oublier, là, que Central Park à New York, c'est exactement le parc, sur Netflix, là, qu'on prend la série documentaire When They See Us, c'est des faits vécus. En 89, il y a eu 5 jeunes hommes. Il y a une femme qui a été agressée sexuellement et battue. Et la police a manufacturé une situation pour inculper 5 adolescents noirs qui ont passé des années en prison. Et à cette époque-là, Donald Trump a payé une page sur le New York Times pour dire qu'on devrait utiliser la peine de mort pour ces enfants-là. Ce sont des jeunes enfants qui ont été en prison à cause d'une histoire que la police a manufacturée de toutes pièces. On se retrouve en 2020, il y a une femme blanche canadienne qui fait la même chose par rapport à un homme noir, and we got it on tape. Il faut aller voir ça pour comprendre comment le racisme est insidieux par moment. Juste mentionner la Amy Cooper, tu sais, pour les gens qui disent « Ouais, mais ça n'arrive pas ici », Amy Cooper est canadienne. Elle l'est ici. C'est des choses qui arrivent et c'est des gens d'ici. Et je veux juste réitérer une chose. C'est pas tout le monde. On met pas tout le monde dans le même panier. Mais dans notre panier de société, il y a des pommes pourrites. Puis les pommes pourrites contaminent les autres pommes. Donc, ça fait en sorte que les pommes sont immangeables. Il n'y a pas de tarte. On a besoin de sortir ces pommes pourrites-là pour pouvoir bien fonctionner. Maintenant, Boko, je peux pas te mettre dans 10 feet, tu comprends? Je peux pas te mettre dans le trouble avec la prochaine question. Fait que je peux pas te mettre dans le trouble. Fait que je vais même pas te la poser, puis je vais te poser une autre question pour toi après. Vas-y. Le joueur du Canadien, Ryan Poehling, a partagé et retweeté des trucs de Donald Trump. Il y a le lutteur hier soir, Jackson Ryker, qui a donner son appui à Donald Trump par rapport à ce qui s'est passé quand ils ont envoyé les gaz puis ils ont tiré les gens qui manifestaient à la Maison-Blanche pour qu'ils puissent prendre sa photo avec la Bible à l'envers. Avec ces gens-là, qui clairement, publiquement, offrent leur support à un individu tout-puissant, clairement raciste, t'es une organisation sportive ou tu es une organisation de sport entertainment comme la WWE, mais on fait quoi avec ces gens-là? Tu viens de le dire. Un joueur qui... Tu sais, je pense que la Ligue nationale, ils ont fait leur statement là-dessus. Fait que, tu sais, là, ils sont au pouvoir de faire un premier pas. Là, ils sont au pouvoir d'essayer de faire le premier pas vers le changement. Tu sais, puis pour le lutteur... Écoute, en tout cas, tout ce qui est WWE, anyways, c'est déjà assez corrompu. Hein, commence pas, Boko. Sur ça, je vais laisser ça à toi. Toi, tu vas donner ton... qu'est-ce que tu penses là-dessus? Ben, je vais vous laisser aller, puis après ça, je vais Benji, vas-y, toi, on fait quoi avec les gens qui, tout publiquement, supportent clairement des gens ou des figures qui sont racistes et qui font mal au mouvement en ce moment? On fait quoi avec ces gens-là dans l'équipe? Si je pourrais te donner un exemple sans aller trop personnellement pour que ça revienne, que ça me prenne d'un mauvais côté. Avant l'élection du président qui est justement aux États-Unis en ce moment, être un raciste ou avoir des préjugés ou la discrimination était un peu plus subtil. Cet homme-là a fait que les gens maintenant sont proud de sortir et dire des choses comme ça, comme on voit sur Internet. J'avais jamais vu ça avant. Tu sais, il a toujours été là, mais là, cet homme-là, quand il est arrivé, a divisé un pays tellement fort que les gens maintenant sont proud de sortir avec des chapeaux ou de dire n'importe quoi ou de retweet n'importe quoi sans savoir les conséquences de ce qui arrive.
C'est ça ma constat, qu'est-ce que j'ai vu depuis que je suis arrivé aux États-Unis, parce que c'est arrivé en même temps, durant les mêmes élections. Puis je trouve ça triste parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas les conséquences de leur acte, puis de qu'est-ce qu'ils disent, puis de qu'est-ce que cette personne représente pour le reste des autres communautés, que ça soit aux États-Unis, au Canada ou n'importe où. Patrice? Mais tu sais, Kev... Vas-y. Tu sais, Kev, tu sais, mettons, je vais revenir sur un exemple de Ryan Peeling, là. Tu sais, en même temps, tu sais, c'est... Écoute... C'est quoi l'action à prendre sur Ryan Peeling? Tu vois, je pense que je sais pas, je veux pas que tout le monde me tombe sa tête si je dis ça, mais peut-être qu'il a une opinion différente. Peut-être que lui il voit ça différent. Peut-être que pour lui justement, il fait partie du monde que c'est pas encore assez. Tu vois, ouais. Peut-être que lui il comprend pas, il y a beaucoup de joueurs, tu sais, on connaît pas tous leur background, mais il y en a beaucoup qui tu sais, quand je dis qu'ils savent juste absolument rien sur, admettons, que ce soit sur une certaine culture, mais il y en a qui savent absolument rien. Et je suis certain qu'aujourd'hui, il y en a qui regardent ça aller, puis encore là, peut-être qu'ils sont pas encore touchés. C'est fou. Non, je suis d'accord avec ça. C'est qu'à un moment donné, en réalité aussi, qu'il y a l'expérience vécue. Il y a des gens qui... Ils sont pas concernés, ils l'ont pas vécu, ils ont peut-être pas la compréhension de ce que c'est être de l'autre côté. Donc, les autres, ils ont une idée déjà préconçue. Et comme on vient, si t'as pas la conversation, je sais pas comment c'est dans son vestiaire, si les autres, là, à un moment donné, quand t'affiches tes couleurs, ben, si les autres, ils voient que t'es vraiment comme ça, ben, tu sais, déjà, peut-être, des fois, tu t'isoles des autres, il y a des choses qui se font naturellement. Dans un vestiaire, dans un groupe. Et après ça, peut-être que ça t'ouvre les yeux à d'autres choses. Mais c'est, comme tu dis, c'est difficile. Tu fais quoi? Ça, c'est son opinion, c'est son point de vue. Là, maintenant, tu le sais, c'est public. Donc là, ce côté-là, c'est que tu sais qui il est vraiment. Parce que comme il l'a dit, Benjamin, il y avait des choses avant, tu savais pas. Tout le monde est bien dans un vestiaire, mais tu sais pas vraiment qu'est-ce qu'il pense au fond. De religion. Oui, peut-être qu'avec certains, tu as des conversations plus pointues, mais il y en a d'autres, tu sais pas, jusqu'à temps qu'il y ait un moment fixe où ce que là, il penche d'un bord et de l'autre. Et là, tu vois, ah, OK, là, je sais, lui, il est comme ça. OK, il pense comme ça. Je le savais pas avant, je pensais, parce qu'on était ensemble, que c'était... On pense des fois, tout le monde a cette grande ouverture d'esprit, mais comme j'ai dit, mon background de... J'ai joué avec des joueurs et tu réalises après, la culture, il a grandi là-dedans, il connaît juste ça. Moi, j'ai arrivé d'Amérique du Nord où ce que peut-être que je connaissais un peu plus, où ce que, bon, oui, je suis noir, mais j'ai grandi avec des Polonais, des Haïtiens, des Marocains, des Coréens. Donc, j'ai touché un peu tout et j'ai jamais vraiment dit, bon, ils sont tous comme ça. Mais il y en a d'autres, ils ont vraiment pas connu plus que ce qu'ils connaissent. Et là, ils voient une situation puis ils ont toujours grandi avec cette appréhension dans leur tête et ils sont de l'appui de ce que le leadership de l'autre part de la frontière appuie. Et comme Benjamin l'a dit, il a comme un peu ouvert sur certains de ses commentaires. C'est comme ça. Puis sur plein de choses, l'homophobie, le racisme et tout. Et donc là, on voit un peu plus la vraie couleur, façon de parler, mais le vrai point de vue de certaines personnes sur des sujets qui sont tabou, comme bien elle dit, parce qu'on sait, on n'en parle pas jusqu'à temps que ça arrive. Ouais. Puis là, après ça, ça passe, on n'en reparle plus jusqu'à temps qu'un autre moment arrive. Là, est-ce qu'on en parle pour qu'il y ait vraiment des conversations, pour que ça s'étende à plus loin et non pas juste un deux semaines de trending, puis après ça, prochain événement va faire que ça sera ça, la nouvelle conversation. On est rendu à la 56e minute, je vous avais dit entre 45 et 60 minutes, je m'excuse, donc je vais... Si les gens se sont rendus jusqu'à ici au podcast, là, ça veut dire qu'ils sont intéressés, ça veut dire qu'ils veulent, ça veut dire qu'ils veulent comprendre, ça veut dire qu'ils veulent savoir, ça veut dire qu'ils veulent embarquer dans ce qu'on fait en ce moment. Si t'es rendu à la 56e minute, whatever, c'est quoi sur ton iPhone en ce moment, c'est que tu veux. Donc moi, j'aimerais vous offrir la chance à chacun de parler à ces gens-là. Parce qu'ils savent pas quoi faire en ce moment, je pense. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et me disent ils savent pas quoi faire. Donc, chacun d'entre vous, là, je vais vous donner la chance de leur parler. On est dans leurs oreilles en ce moment, dans leur auto, dans leur... ils nous écoutent en prenant un café. Écoute, je te laisse aller en premier, Bianel.
Ben, sincèrement, je souhaite vraiment que ce qui se passe présentement, c'est pas seulement un trend. J'espère sincèrement que ça va amener un vrai dialogue et des vrais changements éventuellement. Puis je regarde ce qui se passe aux États-Unis et j'ai de la peine. C'est horrible là, présentement là, ce qui se passe. Puis j'ose espérer que le bon sens va reprendre le dessus, parce que là, pour l'instant, j'ai un président qui est fou, qui est clairement raciste et qui prend des décisions qui est à l'encontre, tu sais, du bon sens. Alors, et tu sais, je veux aussi, tu sais, j'ai l'impression de ces derniers temps avoir rassuré mes amis, là, puis leur dire, non, on n'est pas contre les Blancs, là, c'est vraiment une discussion qu'on doit avoir tous ensemble, puis on n'en a pas parlé pendant notre discussion, mais j'aimerais souligner que dans beaucoup des manifestations qu'on voit, il y a beaucoup de Blancs, il y a beaucoup de races autres que les Noirs, c'est pas seulement les Noirs, là, tu sais, je veux dire, cette situation-là ne concerne pas uniquement les Noirs. Oui, bien sûr, nous, on a une historique, c'est sûr, mais il y a beaucoup d'autres races aussi qui vivent le racisme, mais il y a aussi beaucoup de Blancs qui y participent et qui veulent avoir ce changement-là. Puis moi, c'est à ça que je me raccroche, parce que pour dire que bon, les choses vont changer dans un avenir, peut-être moyen, long terme, mais dans tous les cas, il faut qu'on le vive, là. Tu sais, je veux dire, il faut que ça passe. C'est tout ce que je peux dire, là, présentement. Benji? C'est peut-être un peu plus un commentaire complexe, différent des autres, mais pour d'autres pays, peut-être que c'est tout le monde, c'est All Lives Matter, mais aux États-Unis en ce moment, c'est Black Lives Matter. Quand je vois All Lives Matter, ça m'intrigue un peu, parce que ça a toujours été la condition puis la situation des Noirs qui a créé ce pays-là, que construit ce pays-là aux États-Unis, est toujours dilué avec d'autres cultures et d'autres gens qui veulent amener. Aide les Noirs, les Africains-Américains en premier, puis après, on va pouvoir voir comment ça fonctionne pour All Lives Matter. En ce moment, les gens qui se font tuer à dehors, c'est des Noirs, à tout bout de champ, à répétition, des gens qui ont aidé à construire ce pays-là. Peut-être dans d'autres pays, ça pourrait être All Lives Matter, comme je disais. Mais en ce moment, il faut faire du progrès sur le Black Lives Matter en premier. C'est peut-être des choses que c'est un peu plus différent que d'autres personnes' opinions, mais ça, c'est mon opinion en ce moment de qu'est-ce qui se passe. J'aimerais focusser sur une cause, parce que ça a toujours été dilué par emmener toutes les minorités ensemble, puis il n'y a jamais eu de progrès en premier. On va focus sur une ethnicité, un groupe, une communauté, une société qui a aidé à construire ce pays-là au complet, puis après, on va voir si on peut faire du progrès avec d'autres mêmes. Beaucoup? Ben écoute, je pense que tout le monde a un petit peu, chaque personne a un petit peu lancé le petit mot, mettons, que j'allais dire. Donc, écoute, comme on a parlé tout au long, là, moi, juste terminé en disant que, regarde, on a besoin de, tu sais, on a besoin d'un leader, puis, regarde, il faut qu'on essaie de move, on essaie de bouger et grow up en unit, si je peux me permettre de dire, et puis tu vois, c'est that's it, yeah. C'est simple et c'est concis et c'est parfait. Bianel, tu avais juste quelque chose à répondre à Benji, je pense. Ben, je veux juste dire que je suis tout à fait d'accord avec lui, là. La situation des Noirs, c'est sûr, là, tu sais, c'est la priorité, mais je peux pas oublier que d'autres races, tu sais, en fait, les Autochtones ou, tu sais, vivent aussi du racisme quotidiennement, là. Ça, je peux pas l'oublier. Donc, je suis très consciente que les Noirs le Black Lives Matter, pour moi, c'est une priorité. Oui, il faut régler ça. Mais je suis aussi j'ai beaucoup d'empathie aussi pour les autres peuples qui vivent le racisme à tous les jours. Ah, c'est sûr que j'oublie pas, puis c'est pas fixé sur ça. C'est juste qu'en ce moment, si on veut faire le plus de progrès, puis parce qu'on n'en a jamais fait pendant des siècles, des décennies. Donc, j'aimerais ça focus sur une communauté, une société en premier. Puis, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé des questions. Tu sais, c'est comment aux États-Unis, c'est comment parce que je vis là. Puis, ils oublient un peu que, hey, on a
on a tué toutes ces autochtones-là au Canada pendant des décennies, des siècles. On les entasse, on les met. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres races, et d'autres personnes, d'autres communautés qu'on discrimine pendant qu'on regarde d'autres personnes. On se dit, c'est différent au Canada. Vous dites, non, c'est pas différent. Regarde qu'est-ce que tu fais en ce moment. Puis c'est la même chose que tu vas devoir faire après les États-Unis pour changer le racisme institutionnel que tu fais avec les communautés qu'ils ont créé, le propre pays qu'on vit en ce moment-là au Canada. Mais comme tu dis que. Comme tu dis. Non, mais c'est vrai, comme Camille l'a dit avant, j'espère vraiment, deep down dans mon cœur, j'espère vraiment que c'est pas un trend, puis il va y avoir du progrès après ça. Dans une semaine, deux semaines, j'aimerais ça voir la même attitude, garde la même énergie que tu as en ce moment pour changer les choses, parce que sinon, je vais t'exposer, tu comprends? Yes. J'aime ça, moi. Oh, je pense que tout le monde en... oui, tout le monde en a dit, c'est... Voilà, je suis d'accord que... Vas-y. Je vais t'arrêter parce que toi, tu as une perspective autre que je veux entendre, que je reçois beaucoup comme question. Quel conseil donnerais-tu aux parents de jeunes enfants? Quel conseil? Ouais. Qui vivent là. Il y a des parents de jeunes enfants qui se disent, est-ce que je dois avoir la conversation? Qu'est-ce que je fais? Toi, c'est. Puis on n'a pas la vérité absolue. On parle, on jase, on discute. Toi, c'est quoi tu leur dirais? Ben écoute, moi, la situation, c'est que ma fille, elle a vécu assez jeune, c'est, je faisais un peu dire à un certain degré, éviter, j'espérais que ça ne soit pas une conversation que j'ai à avoir ou qu'elle le découvre plus tardivement, parce que il y a une différence, elle est visible, on le sait tous, mais il y a aussi de faire comprendre la différence. La différence, elle est là, dans le monde qu'on vit, je suis désolé, même entre nous, qui nous ressemblons, on n'est pas pareil. On n'a pas la même personnalité, on n'a pas la même vision sur certaines choses. Et c'est tout simplement d'avoir des conversations qui sont sur agrandir ton ouverture d'esprit. Des fois, il y en a qui ne posent pas la question, comment tu vois ça? Est-ce que tu remarques que ton ami est d'une autre couleur ou ton ami est un peu différent? Juste pour voir. Parce que les jeunes, tu sais, j'aime pas ça trop en parler pour les jeunes parce que sont encore rêveurs, sont encore innocents. Le monde n'a pas trop de couleur jusqu'à un instant. Ça, c'est pas pour tout le monde, mais en majorité du temps, c'est pas le cas. Mm-hmm. Et c'est pour les parents, c'est, ben, tu sais, des fois, c'est, tu, puis là, je parle à tous les parents, c'est une conversation de ce que tu perçois, des fois, des différences. C'est quoi la différence pour toi? C'est quoi bien ou mauvais? Parce qu'à la fin, c'est vraiment ça. Tu sais, je pense, je suis d'accord qu'avec toi, t'as apporté, c'est qu'on, là, on semble aller où ce que tout le monde pense comme, mais là, tout le monde est raciste. C'est pas le cas. C'est que le racisme, ça existe. Et voilà. Et est-ce qu'on peut essayer de l'éradiquer? Ça va être difficile. Mais ça vient de parler avec vos enfants, éduquer. Et oui, parler avec d'autres, partager, avoir des conversations. C'est quoi? Parce que des fois, il y en a qui y pensent. Tu sais, ouais, c'est correct, ça. Mais non, c'est pas correct. Faut t'en parler un peu plus. Et l'éduquer les enfants. Je pense que c'est d'avoir cette conversation, de dire voilà, ça arrive, c'est ces choses-là, mais il faut pas juger les gens par le visible, mais par le contenu. Et on a toujours cette méfiance, mais c'est de développer plus de confiance, de compréhension, à comprendre l'autre personne. C'est un peu philosophe, mais voilà, je pense que. Hey. C'est ce que je conseillerais. On parle notre parole. Fabrice, je t'ai gardé pour la fin. Avant que je te laisse aller, il y a juste un point que je veux juste amener à tous les gens qui écrivent sur les réseaux sociaux ou qui disent sur les réseaux sociaux ou qui disent à voix haute. J'ai quelques personnes qui m'ont écrit et m'ont dit « Kev, moi, anyway, je ne vois pas la couleur. » À ces gens, je réponds « Si tu ne vois pas ma couleur, comment tu peux voir mon struggle? » J'ai besoin que tu vois mon struggle. J'ai besoin que tu vois qu'est-ce qui est compliqué dans ma vie. J'ai besoin que tu vois mes bons coups, mes moins bons coups. J'ai besoin que tu saches ces choses pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, de dire que tu vois pas la couleur, c'est pas mal, mais je te dis juste, regarde-la ma couleur, parce que tu vas comprendre des choses qui vont te permettre de nous faire avancer ensemble. Fabrice, je te laisse le mot de la fin. On est rendu à 1h06. Le podcast le plus long de l'histoire de sa restriction. Je te laisse le mot de la fin. Yes. Merci, Kev. Merci à tout le monde pour la belle conversation. Puis merci aux personnes qui sont jusqu'ici à nous écouter.
T'sais, moi, j'aime dire que par rapport à la question de la couleur, de la voir ou pas la voir, je pense que qu'est-ce qui nous permet de nous respecter les uns les autres, c'est que on est tous des humains, on est tous différents et on veut tous être égaux dans nos droits puis dans nos besoins fondamentaux. Mais pour être égaux puis pour être humain, il faut qu'on voit les situations. Donc, ça revient un peu à qu'est-ce que tu nommes. Tu sais, quelqu'un qui est du Québec puis qui se retrouve tout seul, par exemple, dans un pays d'Europe, voudrait pas se faire dire qu'on voit pas ses origines. Il voudrait être vu pleinement dans sa pleine humanité puis dans toutes ses identités. Puis par rapport au mouvement Black Lives Matter, moi, je pense que il y a quelque chose là-dedans qui est en lien avec, c'est pas l'exclusion des autres vies. Le mouvement Black Lives Matter, c'est que c'est des gens qui étaient écœurés de voir que les vies des Noirs comptent moins aux yeux de la police, entre autres, et aux yeux de certains pouvoirs. Donc, quand les gens se sont dit les vies comptent moins, quand des enfants comme Trayvon Martin, ils meurent parce qu'ils mangent des Skittles dans la rue avec un hoodie, ils se disent non, il faut dire que nos vies comptent. Puis il y a plusieurs communautés qui sont pas noires, qui sont inscrites en solidarité avec ça, puis qui se disent, ben on reconnaît ça parce que tout ce qu'on fait dire, c'est pas l'exclusion des autres. C'est que les vies des Noirs, on veut qu'elles comptent. Et ceux qui disent « All lives matter », c'est une manière de diluer le message parce qu'on sait très bien que toutes les vies comptent. C'est juste qu'en ce moment, il faut focusser la gang, là, gardons les yeux sur le ballon. Quand il y a des gens qui se font tuer dans la rue pour rien, ben c'est important de le reconnaître. Puis c'est important de faire en sorte qu'on travaille ensemble. Je le dis, le racisme, c'est pas une identité. On est tous et chacun responsables. Et je dois dire que par rapport aux privilèges qu'on a en ce moment-ci, ben les personnes blanches ont un pouvoir énorme à jouer. Et moi, ma question que je pose, puis je vais pas élaborer là-dessus, mais par rapport au pouvoir qu'on a, tout le monde peut lutter contre le racisme de sa manière. Mais il y a une chose, c'est que de se questionner sur les responsabilités. Donc, pour chaque personne qui nous entend, c'est quelle responsabilité allez-vous assumer? La réponse vous appartient. Damn! Si je pouvais mic drop, je serais en train de faire le mic drop. Je voulais vous dire merci tout le monde. Hein. Merci tout le monde d'être venu sur le podcast parce que, comme j'ai dit plus tôt dans l'entrevue, il y a des gens qui étaient moins à l'aise de parler de ce sujet-là. Des gens que j'ai vraiment été surpris, mais que je respecte beaucoup. Et j'espère que le fait qu'on ait cette conversation-là, les six ensemble, va permettre à ces gens-là de moins être mal à l'aise par rapport à ça parce qu'il faut qu'on en parle. Benji, c'est où que les gens peuvent te trouver? C'est quoi ton Twitter, Instagram? C'est quoi? C'est le même nom pour Twitter, Instagram et tout, c'est Benj, B-E-N-J, underscore, Juice, J-U-I-C-E. Juicy, Boko, c'est où que les gens peuvent te trouver? Sur Twitter, ça va être Boko, J-R, donc B-O-K-O-J-R. Sur Instagram, c'est la même chose, mais tu rajoutes un bar en bas et un XV à la fin. That's it. Bienel, où les gens peuvent te trouver? Ben, c'est très simple, Bienel Legros, mon nom de famille, L-E-G-R-O-S. Nice. Patrice, où les gens peuvent te trouver? Twitter, Instagram, c'est @pbernier10. Et puis bon, Facebook, c'est sûr, c'est ma page Patrice Bernier, très simple comme ça. Et finalement, Fabrice, où les gens peuvent te trouver? Et où les gens peuvent trouver tous pour 3 points? Ouais, ben en fait, Fabriceville, j'ai mes plateformes également, donc Twitter, Instagram, Facebook, Fabriceville, V-I-L, donc pas V-I-L-L-E, V-I-L. Et pour 3 points, bien sûr, également sur Facebook, Twitter, Instagram, on est actif. Et c'est une organisation qui travaille pour les jeunes, donc à travers le sport. Donc je peux imaginer que les gens qui nous écoutent vont probablement s'y intéresser. Tu sais, j'ai fait la vidéo qui disait « Faisons notre 1/12e ». Juste le fait que tu sois rendu au moment où on est en ce moment sur le pod, tu viennes de faire ton 1/12e, tu viennes d'aider le mouvement parce que tu viens de t'informer, tu viens d'écouter, tu viens... Sérieusement, merci. Merci, merci, merci. Il n'y a rien d'autre que je peux vous dire en ce moment. J'ai pas le goût de vous dire où vous pouvez nous trouver. J'ai pas le goût de vous dire c'est quoi notre Instagram. J'ai le goût de vous dire merci. Et puis, man, c'est... C'est grandiose ce qui s'est passé. Grandiose. Merci beaucoup.
On se revoit vendredi avec un autre podcast. Ciao, guys.